C'est une petite leçon qu'on a développée il n'y a pas très longtemps, qui s'inspire un petit peu des gammes de la façon dont notre ami Joe Bonamassa joue et interprète certaines gammes. Donc, c'est-à-dire, en fait, lui, il emprunte. Dans le cas de ce qu'on vient de jouer ici, c'était du Fa majeur. Voilà. Si on joue en majeur, ça donne ça. Et donc, en fait, c'est un mélange emprunté au mixolydien et au dorien. Mixolydien, pourquoi ? Parce qu'on a une septième mineure. Et dorien ? Parce qu'on a une sixte majeure. Mais on a vu ça dans le passé. Donc, en fait, ici, on illustre le travail d'un mini arpège sur ceci. L'avantage ici, c'est qu'on le met en rythme sur un backing track. Donc tout ce qui est autour, c'est du remplissage. Hein. Donc, en fait, j'expliquais ça dans une leçon précédente, mais je le réexplique. On est sur un accord de Fa majeur, sur la forme de Mi. Et on utilise une espèce de petit escalier, là, hein, sur le doigt 3. 2, 1, 3, tonique, doigt 2, tierce majeure, doigt 1, quinte. Donc alors, on pique la 11e case sur l'accord Ré, la 13e case, pardon. On glisse d'un ton, on fait un mini-sweep vers le bas, sur
les deux cordes suivantes, bien détacher toutes les notes. Septième, on repique la sixte vers le haut pour la montée d'un demi-ton. Haut, slide, bas, bas, haut, bas, bas. Dans la première octave. Assez dur. Voilà, ça c'est l'aspect majeur de l'approche. Maintenant, dans le premier backing track, on avait du mineur de fa dièse. Le mineur, c'est exactement le même principe. Hein. Sauf que ici, évidemment, comme on est en fa dièse, on démarre de la 14e case sur le premier schéma. Et au lieu de travailler sur un fragment d'accord mineur comme ceci, majeur, pardon, on va travailler sur un fragment d'accord mineur. Donc ce n'est plus le doigt 3, 2, 1 en escalier, c'est 3, 1, 1 mini barré, puisqu'en fait on emprunte la forme du mi mineur. En barré 14e case, on la voit mieux ici. Voilà, et voilà le travail du fragment. Dans l'octave. Voilà, merci.